Vous informez demeure la priorité à Kinactu Télévision, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer aux toiles de fond. Poursuite des démonstrations de force sur terrain entre les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, contre les figures emblématiques de la classe politique de l'opposition. Quatrième cycle électoral en RDC. Seul le peuple va trancher aux urnes au mois de décembre 2023. Les tableaux de l'évolution de la situation sécuritaire en RDC demeurent rouges. Les cas des affrontements entre les forces régulières de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle du M23 sur l'axe Kiloli-Roué, situation qui inquiète les habitants de cette partie du pays. Débutons par cette information présidentielle en pleine poursuite de sa phase de la campagne électorale. Sur le temps dit national, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a profité de lancer un appel à la mobilisation générale à Bounia tout en sensibilisant les jeunes à adhérer à l'armée congolaise afin d'assurer la sécurité de l'intégrité territoriale du pays. Regardez. Et c'est le pays. Il y a quoi que Makambo et Zotambo la moke moke kasi et Zokende Nanzela ya bien. Nayoki Makambo Abitumba ou Ezala Kiawa et Bandit de Sila ya solo. Boyebike Sotitimia Ezalite, moyen ya Kotongamboka Ezalite. Mais na tombi bino betombi bana ya Ituri ndenge bolandi nzela ya kimia biso pe tozali awa mpo na kosalisa bino sikoyo esengeli bakominote nyonso esimbana lobeko na lobeko bosengana bolimbisi Bola Kisana Bolingo. Tozali na programme monene oyo ya agriculture. Bino moko boyebi awa na Ituri ndenge biloko ebele ezali kolonama me ezali kopela mpe banzela ezali te ya kobimisaka yango na bacentre. Yango tozali kodevelope politique wana oyo ya agriculture po ebanda kopesa bana mboka mosala bosala ngai conference bopesa ngai mandat oyo ya mibale bokomona ndenge tokopusana tokokoba na misala oyo tobandaki. Quelle ambiance règne actuellement du côté de l'opposition pendant cette période cruciale? Martin Fayulouma Didi, candidat numéro 21 à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, était à Butembo, à Bounia, dans la province du Nord Kivu et en province de l'Ituri le mercredi 29 novembre dernier pour sa 10e journée des campagnes électorales où il a promis à la population d'être un leader patriotique compétent avec un CV qui permettra de trouver des solutions. Regardez. Congo et Colombo, aujourd'hui, le développement de l'Afrique tarde à cause du Congo. Les défis que nous avons, problème en base tout Konazo. Que Monseigneur Catalico, je vais commencer par Mosengo. Mosengo. Manula. Manula. Kasavubu. Kasavubu. Lumumba. Lumumba. Et le père spirituel. Non. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je ne peux que vous remercier.
Mina wa shukuru sana. Quel est l'âme aux yeux? Nicolas Machozi, quoi, Machu la voir ce monde. Kuwaona nini wote. Qui brave la pluie. Wana vumilia mvua. Vous m'avez démontré. Mumenionesha wazi. Que Butembo, chez moi. Que Butembo ni kwangu. Vous allez voter quel numéro? Muta voter numéro gani. Quel numéro? Quel numéro? 21. 21 c'est qui? 21 c'est qui? Butembo c'est la ville de qui? Butembo c'est la ville de qui? On a la ville Fayulu à Rima dit. C'est la même chose. Et ça veut dire vraiment que Olingani Makasi pour apprendre la sana. Nous sommes unis. Tuko wa moja sana. Parlons cette fois-ci de l'exercice de redevabilité du gouvernement de la République pendant la période électorale lors de la séance briefing co-animée entre Patrick Muyaya, ministre de la Communication, et Nicolas Kazadi, ministre des Finances, axé sur le chiffre clé du bilan économique du gouvernement. Les patrons de finances de la RDC est revenu sur les émissions macroéconomiques qui ont été marquées par la période de la cohabitation politique FCC-4. La pandémie de la COVID-19, la mutation du gouvernement et la guerre en Ukraine. Suivez. Nous avons donc été en général bien au-dessus de la moyenne du continent et même de la moyenne au niveau mondial. Cela a été rendu possible par deux éléments essentiels. Le premier, c'est le développement du secteur minier, où il y a eu une combinaison, un accroissement de la production du cuivre et d'un accroissement, d'une augmentation du prix de certains produits que nous exportons. Cette combinaison d'éléments pour le secteur minier a été le principal facteur qui a tiré la croissance vers le haut. Mais il y a également eu un développement du secteur non extractif, quoique beaucoup plus faible en termes d'importance. Mais il y a eu également un début de développement du secteur non extractif qui explique cette performance pour la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne croissance, mais nous avons connu néanmoins une évolution de l'inflation un petit peu erratique. Entre 2018 et 2021, l'inflation s'est bien comportée. En 2018, on était à 7,23%. En 2021, on finissait l'année à 5%, avec une inflation, un pic à 15% en 2020. 2020 étant une année marquée par la crise Covid, avec tout ce que cela a entraîné comme difficulté au niveau, impact au niveau des finances publiques et au niveau du déficit des finances publiques. Bilan de l'économie nationale, exercice 2019 et 2023. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, loue le prouesse du gouvernement de la République en partant de l'année 2019-2023 où la croissance économique demeure positive grâce à la production minière. Suivez le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nous avons connu cinq années assez particulière parce que sur cinq ans, nous avons connu presque deux années et demie de cohabitation et dont une année frappée par la crise de la pandémie Covid. Et pour le reste de la période, nous avons connu environ deux années et demie d'activité intense, de réforme du gouvernement avec des chiffres en nette progression. Mais ces deux années et demie ont également été marquées par une nouvelle crise. Cette fois-ci, c'est la crise liée à la guerre en Ukraine. Il n'empêche que, durant toute cette période, le mot qu'il faut retenir, c'est la résilience. Notre économie a été résiliente. Elle est partie d'un taux de croissance de 5,8% en 2018 à 4,4% en 2019. Pendant la crise Covid en 2020, la croissance est demeurée positive. Il n'y a pas eu plus de trois pays en Afrique qui ont connu un taux de croissance positif en 2020. La RDC fait partie de ces trois pays.
avec 1,7% de croissance. Et à partir de 2021, la croissance est repartie de plus belle parce que nous avons connu successivement 6,2, 8,9 et 6, et aujourd'hui on projette 6,2 de croissance pour 2023. Lancement des séminaires de formation des observateurs nationaux sur l'ensemble de l'étendue nationale dans le cadre de l'organisation du scrutin en République démocratique du Congo afin de faire la surveillance et l'observation pendant les déroulements des élections en RDC. Voici ce reportage. À un peu plus de 3 semaines des échéances électorales en République démocratique du Congo, ces 16 observateurs à long terme, OLT en sigle, présents ici, formés puis envoyés en mission par le cardinal Fridola Ambongo, représentent ici les 500 qui seront formés sur toute l'étendue de la RDC par MOE, SENCO et CC. Ils constituent donc un groupe de formateurs qui auront la mission de former plus d'un millier des observateurs à court terme qui devront observer les élections le 20 décembre prochain. Nous venons de lancer l'atelier de formation des observateurs à long terme. C'est parce que nous, comme Église catholique, nous croyons que les élections auront lieu à la date fixée, quitte à chacun de prendre sa responsabilité à chaque niveau pour que les élections puissent se tenir le jour fixé. L'observation électorale qui implique aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est-à-dire l'observation peut crédibiliser le processus électoral. Nous aurons la certitude que ceux qui ont été élus seront proclamés. Cette formation prendra fin le jeudi 30 novembre dans toutes les provinces du pays. Soulignons que la SENCO et le CC ont mis en place une observation électorale pour accompagner le processus en cours en RDC. Elle compte déployer plus d'une dizaine de milliers d'observateurs sur toute l'étendue du pays. Lutte contre la manipulation de la jeunesse pendant la période électorale. Les jeunes engagés dans les élections de décembre 2023 doivent avoir un sens élevé de responsabilité et d'amour patriotique avéré dans le but de rajeunir la classe politique congolaise. Une affirmation faite par Jarel Kassia, porte-parole de la dynamique de jeunes patriotiques. Suivez. Nous avons un problème d'intégrité. Nous avons un problème d'engagement, un problème de sérieux, les sérieux dans la parole donnée. Et voir les jeunes en grand nombre s'engager ne signifie pas justement que nous aurons des solutions à nos problèmes. Il faudrait que nous puissions aussi faire un travail de filtrage pour savoir quels sont ces vrais jeunes qui ont compris les enjeux actuels, les enjeux du monde et qui pourront placer la RDC dans l'orbite internationale. Parce que la RDC a toujours été au centre de toutes les conflagrations internationales depuis après la Deuxième Guerre mondiale. À ces jours, nous avons connu la guerre froide et la RDC a été le centre de toutes les questions politiques. Nous avons servi à l'anéantissement même du Japon avec l'uranium. Et donc, les jeunes qui s'engagent en politique doivent avoir une conscience historique, une conscience culturelle, économique, une conscience humaine en un seul mot, pour comprendre que l'engagement qu'on comprend en politique, c'est pour répondre aux besoins de la communauté. Et je pense bien que dans ce mois de décembre, quand nous irons voter, la communauté prendra en compte et verra ce que nous ne puissions pas donner de l'opportunité aux voleurs, donner l'opportunité aux gens qui sont en manque d'intégrité et en manque de positionnement, des gens qui n'ont pas encore résolu leurs problèmes personnels, qui voudront venir en politique pour commencer à faire du peuple leur souffre-douleur. Donc c'est à ce niveau qu'on doit faire très très attention et je pense bien que de plus en plus, le peuple congolais commence à prendre de la maturité, commence à être assez regardant sur des questions liées à la gestion. Et donc moi je ne peux que encourager, mais en même temps tirer la sonnette d'alarme à la population pour veiller à ce que nous ne puissions pas donner l'opportunité, laisser la voie libre aux personnes douteuses, aux personnes au patriotisme mou aussi on peut le dire. Et donc c'est un peu ça mon point de vue. Poursuivons par les questions liées à la sécurité en RDC. Sachez que le mardi 28 novembre dernier, 2 personnes ont été tuées lors d'une incursion dans la province du Congo central par les éléments d'une milice appelée Ninja en provenance de Brazzaville, capitale de la République, sœur de la ville de Kinshasa. Voici ses commentaires. Dans la province du Congo central, 2 personnes ont été tuées par la milice Ninja de Brazzaville. En effet, c'était le mardi 28 novembre dernier, en territoire de Luozi, au village Manwani,
où deux personnes ont trouvé la mort à la suite d'une incursion par le milicien appelé Ninja en provenance du Congo-Brazzaville. Selon le député national élu de cette province qui l'a annoncé à la presse, rapporte que plusieurs habitants ont été enlevés par ces bandits qui ont fait irruption dans ces villages, signalant que ces incursions sont trop fréquentes à Louosi, où ces miliciens viennent ravir le bête, ils saccagent de maisons et ils rentrent au Congo-Brazzaville comme si de rien n'était. Notons par ailleurs que plusieurs autres dégâts matériels ont été notifiés, mis à part la capture de quelques personnes. Les maisons ont été aussi brûlées. Par ailleurs, ces parlementaires du nom des Papi Matezolo interpellent le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Peter Kazadi, afin de renforcer la sécurité dans le territoire de Louosi, car affirme-t-il que la République démocratique du Congo compte plus de 6 secteurs partageant la frontière avec les Congo-Brazzaville. Cependant, dans plusieurs de ces frontières, il n'y a ni policiers ni un service de l'État, entre autres la DGM. Restons toujours dans ce registre de la sécurité au nord Kivu, dans le territoire de Masisi, sur l'axe Kiloli-Rouez. Des affrontements entre les miliciens locaux et les forces négatives du M23 ont éclaté le mercredi 29 novembre dernier dans cette partie du pays, ce qui inquiète les habitants de ce coin qui craignent que cette attaque rebelle arrive jusqu'au centre de Masisi. Suivez. Des combats ont été signalés ce mercredi 29 novembre dernier entre le milicien local et le rebelle du M23 sur l'axe Kiloli-Rouez-Louché-Béré qui tend vers Masisi Centre. En effet, les affrontements ont éclaté entre rebelles du M23 et le patriote milicien Wazalendo dans la journée d'hier mercredi dans les territoires de Masisi vers la route Kiloli-Rouez et Louché-Béré, dans la province du Nord Kivu. Selon certaines sources locales, les tirs ont été entendus depuis 8 heures du matin dans les villages Nyamitaba, Kisovu et Lukala, qui, d'après les habitants du coin, ressemblaient à une tentative de rebelles du M23 à progresser vers le chef-lieu du territoire des Masisi. Cependant, d'après d'autres sources, les M23 accusent les FARDC d'avoir attaqué leur position qui campe à Kiloli-Rouez. Par contre, il n'y a eu aucune confirmation afin de corroborer cette affirmation. Par ailleurs, face au repli de FARDC, les M23 et RDF ont reculé et ont abandonné leurs armes et munitions, signalant que dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 novembre dernier, un affrontement entre forces armées de la République démocratique du Congo et un groupe de terroristes islamiques MTN ISCAP entre Oisha et Maïmona vers le village Moukoko dans le territoire de Beni a eu lieu, où les FARDC ont capturé une combattante et ont neutralisé deux éléments des ADF en récupérant une arme du type AK-47 de main de cette dernière. En croire le porte-parole de l'opération Sokola 1, le capitaine Tony Mwalushai, qui rapporte que cette femme affirme avoir été recrutée de force depuis 2020 par les djihadistes au quartier Rwangoma, dans la commune de Béou, toujours à Beni, lors d'une incursion rebelle dans leur quartier. En santé, la campagne de vaccination prophylactique contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur a enregistré des résultats encourageants, avec un total de 26 840 personnes ayant reçu la première dose du vaccin MVA. Des détails dans ces commentaires de Richard Nawej. Au total, 46 580 doses ont été administrées à des individus âgés de 12 ans et plus, couvrant 18 zones de santé de la division provinciale de la santé dans la province de l'Équateur. Parmi les bénéficiaires, on compte des enfants, des femmes enceintes, le personnel médical en première ligne, ainsi que des groupes spécifiques tels que les chasseurs, le peuple autochtone, le grumier et les pêcheurs.
Ces informations ont été dévoilées lors de la cérémonie de clôture de la campagne qui s'est tenue au grand marché de Mbandakadé, présidé par le vice-gouverneur de la province de l'Équateur, le docteur Taylor Nganzi Keka. La dite campagne a été organisée par le programme élargi de vaccination PEV en sigle en collaboration avec l'Institut national des recherches biomédicales INRB, bénéficiant du soutien technique et financier de l'UGPDSS via la Banque mondiale, l'OMS et l'UNICEF. Il est à noter que la province de l'Équateur a précédemment été affectée par 3 épidémies d'Ebola survenues en 2018, 2020 et 2022. Autre chose dans ce journal, la direction provinciale de l'office de route vient d'être dotée de 13 engins dans le but de relancer les travaux de construction des infrastructures routières dans ce coin de la République grâce à la politique managériale de son directeur général Jano Kikangala. Cette nouvelle acquisition des équipements de grands travaux d'intérêt public vise aussi à booster les activités des programmes de développement des 145 territoires. Regardez. Avec les 13 engins de haute qualité acheminés dans la province de la Lomami, la direction provinciale de l'office de route va entamer les grands travaux de désenclavement dans cette partie du pays. Cette dotation du gouvernement central va permettre la matérialisation de la politique du directeur général de l'office de route. Dans cette démarche, le DG Jano Kikangalangoy vise la gestion efficiente du réseau routier d'intérêt général via les directions provinciales de son office. Pour le directeur provincial Guy Bravo, les engins acquis vont faciliter l'avancement de nombreux travaux entamés dans le cadre du programme de développement local 145 territoires dans son volet routier. Le directeur général de l'office de route reste déterminé à relier les 26 provinces afin de faciliter les échanges entre les populations. J'ai dit merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que c'est grâce à lui que cette commande a été passée dans le cadre gouvernemental. Nous avons reçu dans un premier temps 150 unités dans lesquelles il y a plusieurs engins à tous les chefs des centres matériels éparpillés à travers nos différentes directions provinciales, de veiller à ce que ces matériels soient utilisés de manière rationnelle. Cette acquisition est un coup d'accélérateur pour l'office de route, l'OMAMI, afin de donner à court et à long terme des résultats escomptés. Prenons cette nouvelle en brève. Revenons sur le dossier et entrer au meurtre à Kindu du militant de formation politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 en RDC, a suscité l'indignation de plusieurs partenaires partisans de la province du Maniema où se sont déroulés les faits. Au regard de cette situation qui suscite des réactions dans tous les horizons, et Alexis Tambwe Mwamba, sénateur et ancien ministre, a profondément exprimé sa consternation. Dans la même ligne, la société civile accuse le gouverneur AD intérim de la province du Maniema d'être à l'origine des violences à l'arrivée de l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe à Kindu et condamne le lynchage du militant du parti politique Ensemble pour la République et actuellement sur terrain pour battre campagne en faveur de l'ère président national. Voici ses commentaires. Dans un communiqué signé par son président en mission à Kinshasa, Maître Stéphane Kamundala Lasosima a qualifié cet acte d'assassinat politique et accuse le gouverneur intérimaire Afani Idrissa. Lasosima constate que sous le règne du gouverneur Idrissa Mangala et à cause des efforts par lui fournis pour son maintien au poste du gouverneur, bien qu'interminable, la province du Maniema vient de subir beaucoup d'actes de cruauté, d'atrocité, de terreur et à elle de perdre nombre de personnes à l'âge de fleurs gratuitement, a déclaré Lasosima. La société civile appelle les autorités judiciaires à mener des enquêtes approfondies pour identifier et punir
le responsable. Tout porte à croire que les incidents de ces jours ont été suffisamment et sérieusement planifiés par le gouverneur de la province à la suite des événements vécus ces derniers temps à Kindu, déclare l'associement qui précise qu'il reviendra au peuple unique, souverain à l'espèce d'opérer son choix en fonction du projet des sociétés qui les convaincra pour élire le président de la République. Des violences qui ont coûté la vie à un avocat membre du parti politique Ensemble pour la République ont émaillé l'arrivée de Moïse Katumbi Tchapwe à Kindu. Signalons par ailleurs que ces affrontements ont eu lieu le mardi 28 novembre dernier lorsque le militant d'Ensemble pour la République, le parti cher à Moïse Katumbi Tchapwe et ceux de l'UDPS se sont rencontrés au rond-point du cinquantenaire sur le boulevard Joseph Kabila alors que Moïse Katumbi Tchapwe était en cortège à pied avec de milliers de militants à destination de la place Mapone où devait tenir son discours de campagne électorale. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait des sésames? Plus de détails dans ces commentaires. Les sésames est une plante annuelle de la famille de pédalicées, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsaharien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineuse au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignane, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments le plus complet en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamine, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamine B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que les graines de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. C'est ici qui s'achève cette grande édition du journal sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre les rappels des titres. Poursuite des démonstrations de force sur terrain entre les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, contre les figures emblématiques de la classe politique de l'opposition, 4e cycle électoral en RDC. Seul le peuple va trancher aux urnes au mois de décembre 2023. Les tableaux de l'évolution de la situation sécuritaire en RDC demeurent rouges. Les cas des affrontements entre les forces régulières de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle du M23 sur l'axe Kiloli-Roué, situation qui inquiète les habitants de cette partie du pays. Le plaisir de vous informer, l'ensemble de l'équipe rédactionnelle et de la technique a abouti à la réalisation de ces magistrés travail. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes, Kinatui Télévision. Au revoir.